Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous partager une expérience. Hier, j'exposais lors du salon du Grand Mix à la Halle aux Toiles à Rouen. Donc le Grand Mix, c'est la réunion de tous les communicants et journalistes de la région. À cette occasion, j'ai rencontré nombre de personnes qui m'ont interrogé sur mon métier. Ce fut un réel plaisir de leur expliquer ce que je faisais pour les petites et moyennes entreprises, pour les associations, pour les collectivités. J'avais effectivement mis plein de petits fanions autour de mon manche de boue pour expliquer précisément en quoi je pouvais intervenir. Le podcast a interrogé pas mal de personnes pour lesquelles j'ai expliqué que c'était la voix influente, la voix pour raconter des histoires. J'ai été beaucoup interpellée au sujet de la marque employeur. La marque employeur, effectivement, pour recruter ses talents, pour fidéliser les salariés déjà en place et pour montrer un peu les valeurs, la façon dont va agir le manager auprès de ses collaborateurs, sa stratégie unique d'entreprise. Ce qui a également beaucoup marqué, c'est la vidéo professionnelle. J'entends par la vidéo professionnelle un angle journalistique avec de l'interview, du reportage d'entreprise auquel on peut associer un shooting photo. Un shooting photo qui lui va mettre en beauté, sublimer justement les salariés et l'entreprise. Aussi, ce qui m'a paru intéressant d'expliquer, c'était ce que je pouvais proposer en accompagnement pour former les équipes et ainsi les rendre autonomes dans leur travail. Je m'explique, souvent dans une entreprise, une petite équipe constitue une entreprise, donc une personne est dédiée à différentes tâches, simplement elle n'y est pas forcément formée. Ce que je propose, c'est justement la formation en interne pour rendre autonome cette personne avec des outils, des façons de faire, un apprentissage tout simplement du métier. Ma particularité pour mes interventions, c'est que je vous accompagne sur la communication au travers de ces divers métiers, mais également avec un angle très journalistique, parce que effectivement je suis issue de la presse. Peut-être que c'est ce qui m'a apporté cette différenciation par rapport à ce qui est proposé autrement sur le marché. Et une autre particularité, c'est celle de travailler en tant que cadre en mission, en temps partagé, c'est-à-dire que je peux être en entreprise sur une certaine régularité, sur une mission qui est ponctuelle ou sur du long cours pour vous accompagner dans une transition, qu'elle soit numérique, qu'elle soit de développement. Vous pouvez également faire appel à mes services pour du renfort ponctuel. Vous organisez un événement, vous êtes extrêmement pris sur cette période donnée, eh bien moi je vous apporte mon aide pour cette période à proprement dite. Alors si vous voulez en savoir plus, appelez-moi pour un échange, pour que je vous découvre, qu'on s'entretienne sur vos projets, sur vos questionnements. Également suivez-moi sur les réseaux sociaux. Allez découvrir mon site internet. Et en tout cas, je vous dis à très vite.